Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul. Ça fait très longtemps que je n'en avais pas fait et je suis super contente parce que du coup ça espace un petit peu et j'aime beaucoup ça. J'évite d'aller chez Action ces derniers temps parce que je ne sais pas résister, je craque à chaque fois. Donc du coup là je me suis dit allez, ça fait longtemps donc je vais y aller. Et je vais vous montrer également un tout petit haul Disney. En fait il y a juste un produit, mais je voulais vous le montrer déjà depuis un petit moment et je trouve jamais l'occasion de vous le montrer. Je ne voudrais pas faire de vidéo pour juste un produit, ça m'embête vraiment. Mais je veux vraiment vous le montrer parce que c'est vraiment un coup de cœur, je l'adore, donc je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer par ces deux petits rouleaux style écossais que j'adore. Donc ça me rappelle énormément mon enfance parce que j'avais beaucoup de jupes dans ce style là. Et voilà, et je trouvais ça très pratique, c'est vraiment des beaux rouleaux. Donc le tissu est comme ça et il est vraiment très doux. J'avais un petit peu peur au début que ce soit un tissu un peu rigide, vous savez ils en font pas mal. Mais en fait pas du tout, donc il est vraiment bien. Et il y a 28 cm sur 25, donc c'est déjà pas mal, je trouve que ça fait déjà un beau carré. Et voilà, je sais pas encore trop pourquoi je vais l'utiliser, mais c'est vrai que du tissu j'en ai toujours besoin, surtout en ce moment. Donc du coup je suis très contente. Ensuite j'ai trouvé ceci, alors ça vraiment je suis trop contente. Parce que je voulais justement en acheter, j'ai déjà regardé plusieurs fois sur internet. Mais généralement c'est pas donné ces petites choses là. Donc en fait ce sont tout simplement des bandes de liège. Et en plus elles sont autocollantes, alors ça c'est vraiment trop bien. Et donc vous voyez c'est juste du liège comme ça et il suffit du coup de découper. Et après on peut en faire vraiment tout et n'importe quoi et c'est très pratique. J'adore la matière, le liège j'adore ça et je trouve qu'on peut vraiment l'utiliser pour plein de choses. On peut planter des punaises dedans et ça j'adore. Donc je pense que je vais vous faire un tuto là-dessus un moment ou un autre, un do it yourself, déco etc. Parce que j'ai vraiment beaucoup d'idées avec ça. Et d'ailleurs s'il y a des choses que vous avez envie de voir avec ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je serais curieuse de farfouiller pour pouvoir faire une vidéo qui vous correspond vraiment. Ensuite je me suis acheté des petits stickers, donc ils appellent bling bling, j'aime beaucoup. Et en fait c'est des sortes de petites boulottes pailletées. Et alors je sais pas si vous allez voir, comme d'habitude ma luminosité c'est n'importe quoi. Et j'adore, donc personnellement les bleus je les trouve vraiment sublimes. Et voilà, donc du coup j'aime énormément ce genre de petites choses là parce que c'est vrai que quand j'envoie des colis j'aime bien envoyer des petits strass, des petites paillettes, des petits autocollants etc. Et donc du coup je me suis dit que c'était vraiment un bon deal et ils sont vraiment trop mignonnes. J'ai également acheté des stickers en 3D. Donc la collection de Noël est sortie, donc je la trouvais vraiment très sympa, donc moi j'adore. Alors je sais pas si vous allez bien voir mais en fait les décorations ressortent et je trouve ça vraiment très joli. Et j'ai acheté également cela que j'adore, je les trouve vraiment trop joli. Et en plus il y a un petit renard dedans, alors moi les renards j'adore ça. Et donc voilà, donc j'étais vraiment très contente, je trouve que c'est vraiment très chou. C'est des petites décorations qui font toujours plaisir dans un coin d'une feuille etc, donc j'aime beaucoup. Toujours pour mes petites lettres, je me suis acheté des petits stickers comme ça. Donc ils sont sur la base des puffy, c'est à dire qu'ils sont, vous savez, un peu moelleux, un peu épais etc. Et j'adore, et il y en a des vraiment trop mignons. Donc voilà, j'ai craqué, je me suis dit c'est vraiment des petites choses qui coûtent pas énorme. J'en mets généralement au moins un ou deux par colis, donc je mets énormément de temps du coup à vider mes stocks. Et c'est pas plus mal, et du coup je me suis dit que c'était vraiment l'occasion d'en prendre. J'ai trouvé ces deux rubans très automnales, donc j'aime énormément. Donc je les trouve vraiment très beaux, ils sont très épais. Et c'est aussi en tissu souple, donc ça c'est vraiment génial. Je sais pas encore vraiment si je vais les utiliser pour le ruban ou si je vais juste les utiliser pour les miniatures pour donner un petit air d'automne autour, je ne sais pas encore. Mais en tout cas ce que j'adore c'est ça. Les bobines sont en bois et ça c'est génial parce que j'ai plein d'idées de récupération de matériel en fait avec des bobines en bois. Donc du coup je suis très contente parce que je vais pouvoir les garder. Je me suis racheté du ruban, donc il y avait celui-là que je trouvais très chou. Donc rose et noir à petit triangle. Et un petit lot de ceux-là, donc j'ai clairement craqué pour les petits champignons, les verts, tout en bas, qui sont vraiment trop choux. Et c'est vrai que le jaune, j'en avais pas encore cette couleur-là. Mais vraiment, les petits champignons, je trouve ça vraiment trop mignon. Côté ruban, ce n'est pas mon seul craquage. Je peux difficilement le nier. Ils ont sorti la collection Noël, comme je vous ai dit. Et j'adore vraiment le ruban de Noël, à chaque fois je craque. Et c'est vrai que moi, quand je fais des cadeaux de Noël, j'adore mettre plein de rubans. Je trouve que ça fait vraiment toute la déco d'un cadeau. Il suffit que le cadeau soit tout petit, on met un gros ruban et pouf, on a l'impression d'avoir un truc magnifique. Et donc voilà, donc j'ai trouvé cette petite collection là. Donc ici on a la paillette, du vert, du rouge, du blanc avec des petits sapins rouges
et du ligné à paillettes, donc j'aime beaucoup ces teintes, hein, forcément très très Noël, on peut difficilement voir autrement. Dans les tons beaucoup plus argentés, on a toujours les éternelles paillettes, le blanc, le gris, les petits losanges pailletés. Et ici, alors je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait ce sont des petits flocons de neige tout en paillettes argentées et je les trouve vraiment trop trop choux. Et le dernier que je trouve magnifique, et pourtant vous savez que moi je suis beaucoup plus argentée que dorée, mais pour le coup je l'ai trouvé sublime. Donc on a le or pailleté, on a le noir, on a le doré, on a des petites étoiles dorées. Et ici celui-là est juste magnifique. Donc, ce sont des petits rennes dorées sur un fond noir. Je les trouve vraiment superbe et clairement celui-là, c'est pour celui-là que je l'ai acheté. Parce que je l'adore, je le trouve vraiment très très beau. J'ai ensuite craqué, j'ai racheté du washi tape. C'est terrible, hein, je sais que je n'en ai pas besoin, mais je les vois, je les veux, je n'arrive pas à résister. Donc du coup, voilà, je vais vous les montrer tout de suite. Donc ici, on a la petite collection de Noël. Donc personnellement, c'était particulièrement pour les petits sapins que je le voulais. Ici, on a une collection un petit peu plus florale. Donc moi, j'aimais énormément le bleu turquoise. On a ensuite celui-ci. Donc j'aimais beaucoup le blanc avec les petites fleurs noires. Ici on a une collection donc fruitée que j'aime beaucoup avec des oranges, des fraises, des ananas, etc. Je trouve que c'est vraiment très sympa. C'est pas la saison du tout, vraiment niveau summer on est loin. Mais clairement je vais les garder parce que ça peut m'être utile par la suite. On a ici qui font très abyssal, je trouve que ça me fait très penser au fond de mer avec les algues, etc. Donc j'aimais énormément le concept. On a une collection gris argenté avec un rose un peu plus pastel que j'aime énormément. Et ensuite, on reste dans l'été avec ses gros palmiers, ses petites fleurs, feuilles, etc. Et ses flamants roses que je trouvais trop trop jolis. C'est la grande folie des flamants roses, il y en a partout. Et j'avoue que j'aime beaucoup. Donc du coup, quand je les ai vus, c'est vrai que je n'ai pas du tout dans ces teintes-là, je me suis dit, allons-y. On va passer au micro haul Disney, je ne sais même pas si on peut appeler ça un haul. C'est un coup de cœur pour ce carnet que je trouve vraiment sublime. Pour ceux qui ont déjà regardé mon haul Disney, vous avez vu que j'en avais acheté un carnet comme ça, tout jaune, de La Belle et la Bête. Et c'est vrai que quand j'ai vu celui-ci sur le Disney Store en ligne, et ben j'ai complètement craqué. J'adore cette collection de petits carnets. Donc en bas, on peut voir, il y a une petite pomme et c'est vraiment trop chou. Et en fait, comme d'habitude, il est ligné doré sur le côté. Alors avec toujours des dessins sur les petits côtés, etc., que je trouve vraiment très très beau. Et ce que j'aime particulièrement sur celui-ci, c'est déjà la couverture, parce que j'adore. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, elle est toute en relief, etc. Et en fait, si vous voulez, ce modèle-là, c'est moi qui l'ai choisi. Parce qu'en fait, à l'intérieur, on a une petite pochette juste ici avec différents motifs. Et ensuite, tout simplement, on peut choisir le motif que l'on préfère. Donc on a un premier comme ça, que je trouve trop trop chou. Elle est vraiment trop mignonne et avec un contour tout doré. On a celui-ci qui est un peu plus glamour, qui est vraiment très beau. On a toujours les contours dorés de toute façon pour toutes les cartes. Et c'est vrai que celui-là, je l'aimais aussi beaucoup. Avec des traits un petit peu plus forts, un petit peu plus travaillés, on a celui-ci. On a le visage que moi j'avais mis parce que clairement, je trouve que c'est celui qui correspond le plus, que j'aime vraiment le plus pour une première de couverture. Et ensuite, on a celui-ci que je trouve juste sublime. J'adore ce style de dessin, je le trouve vraiment très très beau. C'est un dessin que je pense que je vais refaire parce que je pense qu'il va vraiment m'amuser à le dessiner et je le trouve trop 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 beau. Et donc en fait là vous voyez il n'y en a plus et en fait il suffit juste de glisser sa petite feuille dedans et pouf! Regardez comment c'est trop chou. Et donc voilà c'est tout, il y avait vraiment que ça, je voulais vraiment vous le montrer parce que je sais que généralement vous aimez énormément les carnets comme moi. Donc du coup je me suis dit que ça pouvait être une bonne découverte pour ceux qui sont fans de Disney et des carnets également. Comme d'habitude, qui dit haul dit concours, on ne déloge pas la règle, j'adore vous en faire. Et c'est vrai qu'Action, les prix sont vraiment minimes, donc c'est vraiment l'occasion pour moi de toujours vous en faire. Même si c'est des petits, je me dis que les personnes qui n'ont pas d'Action à portée de main, ou tout simplement qui n'ont pas d'argent à consacrer là-dedans, et bah c'est toujours une occasion pour eux de découvrir des nouveaux produits. Donc je vous ai acheté mes petits stickers bling bling, que je trouvais vraiment trop trop chou. Et donc voilà, des roses comme cela. Et ensuite je vous ai acheté plusieurs lots de masking tape. Il y en a des en argenté un peu doré comme ça, enfin je sais pas comment ça s'appelle. C'est du lumineux, je saurais vraiment pas vous dire quel est ce style de couleur un peu métallique avec du blanc. Et sur l'écriture c'est marqué c'est la vie, j'aime beaucoup, je trouve que c'est très chou. Je vous en ai acheté un paquet très géométrique, je sais que c'est énormément la mode en ce moment. J'avais fait d'ailleurs une vidéo de dessin géométrique, j'essaierai de vous la mettre en barre d'infos si je n'oublie pas.
Et c'est vrai que vous avez adoré, vous m'en redemandez, etc. Et du coup, je me suis dit quand je les ai vus que c'était une occasion pour vous, comme vous aimez bien, d'avoir des petits masking tape tout géométriques comme ça. Et dans la collection été, je vous ai pris cela, donc avec des petites fraises, des petits ananas et de la pastèque, dont je le trouve vraiment trop trop chou. La pastèque, c'est aussi une grande mode, pastèque, ananas, je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai, je me suis dit que ça pouvait vraiment vous plaire et ils sont vraiment trop trop mignons. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous aussi vous adorez les hauls. J'ai également une petite question, j'ai reçu du coup plein de choses pour mon anniversaire et également énormément de choses créatives et Disney, je sais que c'est des choses qui vous plaisent énormément. Donc n'hésitez pas, dites-moi en commentaire si un haul vous intéresserait et j'en ferai un, sûrement un dimanche pour faire une vidéo annexe. Mais voilà, dites-le moi et je le ferai vraiment avec grand grand plaisir. Sur ce, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à la prochaine.